Madame la Tirette. Cet après-midi-là, sur le petit marché de Thymistère, on trouve une échoppe ambulante peu commune. Voici Filambule, un atelier de retouche mobile. Derrière le comptoir, c'est Sophie, une passionnée de fils et d'aiguilles, qui reçoit les clients. Le projet est né durant nos vacances en Ardèche. Donc là, on était en balade et j'ai vu une petite caravane, c'était une coiffeuse. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas lancer mon service de retouche ambulant. Ça a cogité quand même 4 ans avant que ce soit vraiment concrétisé. Et puis finalement, voilà, je me suis lancée. Aujourd'hui, la petite caravane customisée fête ses 1 an de service. Une année durant laquelle elle a posé ses 4 roues sur le marché de Thymistère chaque mercredi, à Herve le mardi donc, à Chéneux un samedi par mois et un autre à Welkenrath. Pour mettre en place mon projet, donc on a dû chercher quelqu'un qui rénovait des caravanes. Et alors il l'a fait vraiment comme je la voulais, avec un plan de travail à tel endroit, etc. Filambule, c'est un point de dépôt. Les clients confient les pièces à retoucher et les récupèrent la semaine suivante. Et ça fonctionne. Même en cette journée de grande chaleur, les clients s'enchaînent. Je trouve le principe sympa de venir dans une petite roulotte comme ça. Le concept est chouette. Ah ben, je trouve que c'est extra. Non, c'est bien, c'est très bien. C'était la Tirette, malheureusement. Ah oui. Avec mes arbres. Une fois le marché terminé, Sophie rentre chez elle, direction son atelier où elle s'attelle aux vêtements confiés qui varient d'une dizaine à une trentaine selon les semaines. Ici, j'ai tout doute mes machines et l'espace nécessaire avec tout le matériel pour pouvoir travailler. Dans ma caravane, j'arrive parfois à faire des petites retouches, mais pas tout, j'ai pas toujours le fil adéquat, etc. Une activité que Sophie exerce comme indépendante complémentaire. À côté, elle est aussi professeure de couture à mi-temps. Un rythme et un équilibre qu'elle apprécie beaucoup et qu'elle ne souhaite pas changer, même si le marché est bien là. Je suis quand même étonnée de la façon dont Filambule a décollé, en fait. J'ai remarqué quand même que les clients ont vraiment envie de garder leurs vêtements. C'est vraiment dans l'air du temps, ça. Les clients disent qu'ils achètent moins et qu'ils veulent prolonger la vie de leurs vêtements. Ça, c'est vraiment quelque chose de très actuel. Une manière de donner une deuxième vie aux vêtements. Mais Filambule, c'est aussi une façon originale de faire perdurer les précieux commerces de proximité.